Nach der Vorspeise also kommen wir zur Lesung mit Sophie Loubière, die schon hier neben mir Platz genommen hat. Sophie Loubière ist in Nancy, in Lothringen geboren. Sie hat lange Zeit als Journalistin beim Radio sehr erfolgreich gearbeitet, unter anderem für France Info und France Inter, gleichzeitig aber auch schon geschrieben, und zwar nicht nur Roman Noir, sondern auch andere Gattungen Literatur und auch eine ganze Reihe von Kurzgeschichten, Kriminalkurzgeschichten. Ihr Werk L'Enfant au Caillou, das wurde mehrmals ausgezeichnet, ich glaube, es hat 4 Literaturpreise erhalten, wurde ins Englische übersetzt und dadurch noch mehr ein Bestseller, als es vorher sowieso schon einer war. Dann nach einer privaten Reise entlang der legendären Route 66 in den USA, also von Chicago bis nach L.A., hat sie diese jetzt noch unvollendete Trilogie angefangen zu schreiben. Sie sehen hier Black Coffee, das erste Buch, White Coffee, und das dritte ist in Arbeit, das heißt Bloody Coffee, wird März 2018 alle Voraussicht nach herauskommen. Wir steigen aber heute Abend hier ein am Anfang von Black Coffee und erfahren, wieso eine sehr, sehr große und schwere Last auf den Schultern des 8-jährigen Desmond Bleu lastet. Diese Szene spielt sich ab im Juli 1966 in einem sehr kleinen, verschlafenen Nest. Es heißt Narcissa und befindet sich in Oklahoma, also auch entlang der Route 66. Das ist ein ganz kleiner Ort, wo die Einwohner ihre Häuser nicht absperren, weil sie sich überhaupt nicht vorstellen können, dass irgendwer da reingehen möchte. Also das ist keine Vorstellung. Die Zeit vergeht, nachdem vieles passiert ist. Aus dem jungen Desmond Bleu wird ein Pulitzerpreis gekrönter Journalist, der später zum Kriminologen umschult. Und im zweiten Teil dieser Lesung, die Sophie Loubière mit passender Musik auch aufgebaut hat, treffen wir dann auf die französische Touristin Lola Lombard. Die kommt auch aus Lothringen. Sie ist zurückgekehrt auf diese Route 66, weil sie auf der Suche nach ihrem Mann Pierre Lombard ist. Der ist verloren gegangen, und zwar spurlos, ein paar Jahre vorher, als sie als Familie eine Reise entlang der Route 66 gemacht haben. Sie geht zurück also mit ihrer Tochter Annette und ihrem Sohn Gaston, und wir befinden uns dann da schon am Anfang vom zweiten Buch, nämlich von White Coffee. Nachdem Lola Lombard in Black Coffee sehr intensive, teils aber auch sehr gefährliche und ihr manchmal nicht ganz bewusste Gefahren erlebt hat, könnte man meinen, diese Geschichte sei abgeschlossen, aber da kann man dazu sagen, wenn das kleine Wörtchen wenn nicht wäre. So. Et maintenant, on va passer en français, donc avant le service de votre plat principal. On va accueillir Sophie Loubière, qui nous a rejoint ce soir comme auteure provenant de cette grande région. Donc, vous êtes née à Nancy, en Lorraine. Vous vous êtes longtemps partagée entre journalistes de radio à France Inter, France Info, mais vous avez parallèlement déjà écrit beaucoup, plein d'histoires courtes aussi, mais aussi des livres pour enfants, d'autres genres. Et vous vous êtes lancée dans les polars, dans les romans noirs. Il y avait ce roman « L'enfant au caillou » qui s'est très bien vendu, qui était un grand succès, qui a reçu 4 prix littéraires, qui a été traduit en anglais. Aujourd'hui, vous consacrez votre temps plus en tant que journaliste, mais surtout en tant qu'écrivaine, et vous avez eu le désir d'aller voir cette fameuse route 66 parce qu'elle vous inspirait pour écrire des romans. Donc, il y en a 2 jusqu'à présent, mais la trilogie, elle va être bouclée, donc avec Bloody Coffee qui va sortir en mars 2018. Sophie Loubière a prévu une régie en musique de sa lecture, comme dans ses romans noirs Black Coffee et White Coffee. Elle fait plein d'allusions à la musique. Voilà, ça porte bonheur. On va se trouver dans l'année 1966, en plein dans les États-Unis, le long de la Route 66. Et il y a donc ce massacre de famille qui arrive, et il y a le petit garçon Desmond Bleu qui n'a que 8 ans pendant que ce crime se passe. Il va toujours porter cette culpabilité sur ses épaules tout au long de sa vie. Il sera journaliste après, il sera primé pour ce travail qu'il fait, et après il sera criminologue. Vous avez décidé de commencer avec ce premier roman, Black Coffee, pour ensuite enchaîner avec des extraits du deuxième roman, donc White Coffee. Et là, on se trouve en été 2011, donc
plus près d'aujourd'hui. Et on va revoir Lola Lombard, donc cette touriste provenant aussi de Nancy, qui est allée à la recherche de son mari perdu lors d'un voyage en famille quelques années auparavant. Et même si on a l'impression, après Black Coffee déjà, que l'histoire pourrait être terminée, elle ne l'est pas et elle va se poursuivre bien au-delà. Donc je vous souhaite à tous et aussi à Sophie Loubière une très bonne, agréable, mais oui, disons, une lecture pleine de suspense. Merci. Merci. Merci, merci à vous d'être présents ce soir et de déguster avec nous en musique ces extraits. Donc j'ai choisi de vous lire deux petits extraits de Black Coffee, juste le début. Et puis ensuite, vous verrez, j'enchaînerai naturellement avec White Coffee. J'ai choisi de vous faire écouter des petites musiques qui vont habiller cette lecture. Ce sont des musiques que j'écoute quand j'écris et qui m'inspirent beaucoup. Donc je rends hommage aux compositeurs qui m'ont accompagnée en les diffusant, en les associant, à ma lecture. Voilà. Et merci beaucoup pour notre chef technicien avec lequel nous avons fait une petite répétition tout à l'heure. Merci beaucoup. I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down broom. I'll never know a Sunday in this weekday room. La Ford Mustang arriva par l'est, coloris jaune poussière. Il se dégageait du véhicule une odeur âcre d'huile et d'essence. Le gravier rissolait sous les pneus surchauffés, produisant des craquements secs comme lorsque des grains de maïs explosent et cognent le couvercle brûlant posé sur la poêle. Son conducteur coupa le contact, l'âme corrompue par une clameur intérieure, il ne goûta pas tout de suite à la fournaise, termina d'abord sa bière, contemplant la maison de bois offerte à la route dans son écrin de brin d'herbe. Jet d'une bouteille vide sur le bas-côté, bottillon en cuir élimé crevant la caillasse, l'homme tira sur son t-shirt imprégné de sueur, rajusta une casquette de baseball sur son crâne et traversa la route en direction de la maison. L'usure grignotait son jean et ses cheveux enduits de cire à coiffer poissaient sous la casquette. Le portillon n'était pas verrouillé. Pourquoi l'aurait-il été? Dans un endroit aussi paumé de l'Oklahoma, la famille Blur ne craignait pas les cambriolages. Si l'on avait dressé des barrières autour de la maison, c'était pour couper le chemin aux lièvres saccageurs de potager. Martyrisés par le soleil et la pluie, percés de clous rouillés, les planches se retenaient au piquet. Résolu au pire. L'homme poussa le portillon, surprit le chien en pleine sieste. Tapi dans l'ombre du porche, invisible depuis la route, le berger allemand bondit sur l'intrus, le tirant violemment de sa torpeur. Un cri plaintif succéda au grognement de bravade. L'animal fit une pirouette arrière sur le sol à moins d'un mètre de sa cible. Quelqu'un avait eu la bonne idée d'attacher le chien. L'homme marcha à reculons jusqu'au porche, dont il gravit les marches sans quitter des yeux la bête furieuse. Il ouvrit le ventail de la moustiquaire et pénétra à l'intérieur de la maison. La fraîcheur du hall le déconcerta. Il avait roulé depuis l'aube, fenêtre ouverte au vent ardent, l'esprit attisé par une peur dont il éprouvait toujours la morsure. L'air était frais sur sa crasse, émouvant et doux comme cette mélodie de jazz qui emplissait la maison. Il frissonna. Face à lui, un escalier montait vers les chambres. Sur sa droite, le living room d'où provenait la musique. Il s'y dirigea, posant avec précaution les talons de ses bottillons sur le carrelage en damier. L'homme jeta un rapide coup d'œil au mobilier. Il cherchait quelque chose de précis tout en ignorant quoi. Un objet familier, il ne s'attarda pas.
Le living donnait sur une salle à manger baignée d'une lumière en clair-obscur, assurée par les rideaux à lamelles d'un bow window. Il fouilla le vaisselier, souleva le couvercle d'une soupière, retourna sur ses pas en se grattant la nuque, traversa le hall étroit et bifurqua vers la cuisine. La porte était ouverte. Devant lui, à quelques mètres, le tablier noué sur les hanches, une femme lui tournait le dos, occupée à faire la vaisselle. Elle chantonnait. Sa robe à pois cachait un jupon dont la dentelle pointait sous l'ourlet. Les bras nus répondaient en rondeur au motif de la robe. Les cheveux noirs et bouclés, coiffés d'un serre-tête de velours, retombaient en corolle. Une femme comme une vallée, parangon de courbe et de volupté. L'homme se rapprocha, entre convoitise et supplice, la gorge serrée d'amertume. La cuisine avait un parfum de brioche à la cannelle. Desmond, trop occupé à tripoter sa cousine dans le foin, avait bien entendu les hurlements du chien. Mais ce n'était pas la première fois que Clyde s'égosillait ainsi. Un lièvre égaré dans le jardin ou un tracteur circulant sur la route pouvait le mettre en transe. « Des, t'as entendu ?»« C'est ma sœur, on dirait. »« Pourquoi elle crie comme ça ?» Les enfants allèrent à la lucarne de la grange. Bruissement inquiet du foin sous leurs genoux, écartant les toiles d'araignée, ils approchèrent leur visage de la vitre poussiéreuse. Ce qu'ils virent les plongea dans l'effroi. Il y avait un inconnu dans le jardin, près de la balançoire, un homme aux mains ensanglantées. L'intrus avançait à grands pas en direction de Cassie Bleur avec un couteau. La petite fille courait en zigzag pour lui échapper, sa chevelure bouclée sautillant sur ses épaules. Samantha poussa une main sur sa bouche pour ne pas crier. Le souffle de Desmond s'accéléra. Le visage empourpré de larmes, la jeune fille se mit à geindre. « Il a fait du mal à maman. » Samantha, c'est pas le moment de pleurer. « Je veux aller voir ma mère. » Il la saisit par les épaules. De 3 ans son cadet, Desmond faisait cependant presque la taille de sa cousine. « Regarde-moi, » ordonna-t-il. « Regarde-moi. » La jeune fille retint ses sanglots et s'accrocha aux iris bleutés du garçon. « Faut pas aller dans la maison. » « Mais faut pas, je te dis. » En un instant, Desmond atteignit l'escalier en bois qui menait à la remise. « Ne me laisse pas, Desmond, ne me laisse pas. » « Écoute, Sam, tu vas descendre par l'échelle, longer la grange et rejoindre la maison par derrière. Après, tu détaches Clyde et tu cours sans t'arrêter jusqu'à la ferme des Grove. » Un nouveau cri de Cassie résonna depuis le jardin. Desmond hurla à sa cousine. « Fonce, fonce !» La jeune fille obéit. Tandis qu'elle enjambait en tremblant l'ouverture par laquelle on charge le foin et posait un pied sur l'échelle extérieure, Desmond descendit, sautant les dernières marches. Il perdit l'équilibre et roula sur le sol. Il se releva aussitôt et fonça en direction du potager, saisissant au vol la lourde hache de son père, fichée dans une vieille souche devant la grange. L'outil ralentissait sa course, mais un sentiment de terreur et de colère mêlé le galvanisait. Maintenant, « C'est toi l'homme de la maison. Je te confie ta mère et ta sœur. » Les mots prononcés par Benjamin Bleur dès qu'il prenait la route ne prêtaient plus à sourire. Cela sonnait plutôt comme une mauvaise blague faite à un gamin de 8 ans. La paume qui se posait sur la tête de Desmond ne transmettait aucun super pouvoir. S'il arrivait quelque chose à sa mère ou à Cassie, ce serait de sa faute. Jamais il n'aurait dû désobéir à son père. Jamais il n'aurait dû attacher le chien. Fédérale,
Los Angeles. Quatrième jour de cellule. Dormir sous une lumière artificielle aveuglante, une couverture jetée à même le sol au milieu d'autres détenus. 4 jours, rincés de fatigue, bousculés, furieux. 4 jours, sans possibilité de se laver, de marcher ou de passer un coup de fil. À faire ses besoins comme un singe dans sa cage, à partager ses odeurs intimes avec toute la cellule, ce dortoir peuplé de pauvres types, maigres ou gras de leur misère, coupables ou non. 4 jours de prison, ce lieu oublié du bon Dieu où tout acte est brisé. Pierre était parti trop vite à la conquête de sa liberté. À l'annonce de la mort de Wens, des ailes lui avaient poussé. Il s'était jeté tout seul dans les bras d'un flic. Plus crétin, tu meurs. Trop tard pour rebrousser chemin. Tu croyais quoi, Cendrillon ? Qu'on allait te faire grimper dans une limousine ? Tu te prends pour Dean Martin ? Toutes les 2 heures, un officier le réveillait, criant son nom avec l'ordre de se lever et de plier sa couverture. « Plus vite que ça, Lombard !» Boire au goulot poisseux d'un robinet, tenu au collet et partout ne voir que la peur. Pierre crachait sur cette ville, sa misère et ses faux paradis. L'Amérique se résumait pour lui à une flaque de vomi. « Regarde-toi, petit merdeux !» Le premier interrogatoire, expédié, bâclé, il n'avait pas été invité à le relire ni à le signer. Les menottes passées au poignet, à la taille et aux pieds, à chaque geste, entaillaient sa chair. Les fouilles systématiques, qu'ils sortent ou entrent quelque part, étaient insupportables. Pierre courbait le dos en rejoignant une forêt de visages abrutis, maigrissés à vue d'œil. « Je ne donne pas cher de ta peau, le français !» Et cette répugnance de soi, des autres, lui tombait dessus comme un roc, avec la certitude d'être aux yeux de tous à jamais un criminel. « T'as que ce que tu mérites !» Fallait pas jouer au con. Le vieux Dave l'avait prévenu. Il lui collerait à l'âme jusqu'en enfer. Juillet 2011, banlieue de Los Angeles, Californie. Annette s'était endormie la première, paupières mi-closes, appareil photo, smartphone, iPod, sous-vêtements, paquet de mouchoirs et peluche hibou éparpillés sur le matelas. Découvrant sa fille dans cette fidélité au désordre, Lola émit un son, une faible protestation. Elle s'approcha du lit, rangea les sous-vêtements et ôta les écouteurs reliés aux oreilles de la belle endormie. La peau pelée aux épaules de l'adolescente résultait de cette lutte quotidienne contre les attaques du soleil durant leur long voyage. La position de son corps replié en crochet racontait un autre combat, plus intime, et dont Annette gardait le silence, persuadée que le malheur veillait sur elle sans pitié. Ce que sa famille venait d'endurer sur la route l'avait endurcie, mais il faudrait du temps à la jeune fille pour se pardonner des agissements qui auraient pu leur coûter plus cher encore. Un moment d'inattention, une maladresse avait suffi à inverser la marche du destin. Lola recouvrit d'un drap l'épaule de sa fille. Au pied du lit voisin, une valise était remplie de shorts et de polos froissés, de chaussettes sales et usées, d'emballages de friandises vides, du sable du désert, de stylos, bloc-notes publicitaires et fibres de toutes les moquettes des motels où Gaston avait séjourné. Une valise butée, obstinée, rattachée à la Mother Road, et que le garçon ne s'était pas encore décidé à fermer, retardant le moment où il lui faudrait se résoudre, abandonner tout espoir de retrouver son père. Parti à sa recherche au pays de l'oncle Sam, il s'en revenait bredouille. Lola replaça un pied qui dépassait sous le drap. Le visage assailli d'imperceptibles tensions, Gaston fixait le plafond. Dans sa tête s'ordonnaient des questions auxquelles il choisissait ou non de répondre. Lola prit place auprès de son fils. « Tu ne dors pas ?» Au murmure de sa voix s'ajouta la caresse d'une main sur le front de l'enfant. « Maman, en fait, je voudrais savoir. » À minuit passé, une langueur s'emparait du fiston. Le sommeil demeurait en lui, indécis. Sa voix glissait dans l'air, légère, petit voile satiné. « Quand tu étais dans la mine, est-ce que tu les as vus ? Est-ce que j'ai vu quoi ?
les squelettes. Cookman Avenue, Chautauqua Institution, État de New York. Chez Lily Wynn, on se couchait tôt. À 21h, Douglas s'endormait dans le canapé, le chat sur les genoux, et Nancy lui tapotait avec tendresse l'épaule pour lui signifier qu'il était temps de monter mettre un pyjama. Les lampes de chevet s'éteignaient dans le calme de la ville, et Nancy entamait sa nuit d'insomnie à l'écoute d'un concert privé que son mari donnait jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Œuvre profane pour ronflements et grognements dont la palette ne cessait de s'accroître au fil des années et que l'on aurait pu croire sortie de la gorge d'un ogre. C'est un peu avant 5 heures qu'elle entendit un bruit suspect provenant du rez-de-chaussée, comme des coups de marteau frappés contre une cloison de bois. Deux salves de coups discrets et réguliers. Elle réveilla aussitôt son mari et insista pour qu'il explore toutes les pièces de la maison. Mr. Lewin s'exécuta, Nancy contre son dos, aux aguets. Rien d'anormal à signaler. Chaque objet était à sa place, excepté le matou. À la faveur de la nuit, ce dernier filait souvent par la chatière pour chasser quelques rongeurs. Mrs. Lewin veilla jusqu'au petit jour, l'oreille à l'affût, sursautant au moindre craquement. Vers 7 heures, le ciel était empreint d'une belle teinte métallique. Sans descendre de son vélo, le livreur de journaux lança l'édition du jour sous le porche de la maison des Lewin. Rituel du matin, Nancy ramassa le quotidien sur le paillasson, tout en adressant un signe amical à Mrs. Cooper. Cette dernière la regardait d'une étrange façon depuis son jardinet, une main repliée contre le col de sa robe de chambre, comme si elle venait de voir un fantôme. Nancy n'eut en cet instant aucune envie de lui adresser la parole et rentra chez elle. « Cette Mrs. Cooper ne tourne pas rond », indiqua-t-elle à son mari lorsqu'elle descendit l'escalier en se frottant les reins. Elle posa le journal sur la table du salon et alla dans la cuisine préparer le petit déjeuner. De retour avec les mugs et la cafetière, elle trouva Douglas interloqué devant la une du Observer Today. « Mauvaise nouvelle ?» Il leva les yeux sur elle, perplexe, comme s'il ne trouvait pas ce qu'il cherchait. De l'index, il désigna le journal. « Tu t'es blessée, chérie ?»« Non, pourquoi ?» Elle eut un mouvement de recul. La première page était maculée de sang. « Où l'as-tu ramassée ?» demanda son mari. « Sur le paillasson, comme d'habitude. » L'un et l'autre échangèrent un regard. En ouvrant la porte d'entrée, Mr. Lewin sentit cet air humide et glacial s'infiltrer sous le tissu de son pyjama et rafraîchir ses orteils. Le contact du paillasson ensanglanté sous ses pieds et le spectacle de ce qui se trouvait cloué sur la porte le pétrifièrent. Quant au cri de terreur que pousserait Nancy en découvrant la dépouille de leur chat crucifié au-dessus du hortoir en bronze, sa petite langue rose dépassant sous ses crocs, il l'entendrait longtemps encore. Sur la passerelle reliant Bowman Avenue à Terrace Avenue, Desmond fit une halte et tira de sa poche son iPhone dont il n'avait pas réactivé la sonnerie. Les ravissantes violonistes qui traversaient en courant dans l'autre direction le bousculèrent. Assaillis par leur rire, la fraîcheur de leur sourire et les vagues provocantes de leurs longs cheveux, il manqua de lâcher son portable et perdit son chapeau. Le professeur se laissa un instant étourdir, projeté dans le passé des heures paresseuses de sa jeunesse à l'université, lorsqu'il explorait sous de courtes jupes bien des abîmes de jouissance. Puis l'ombre vespérale d'un bleu troublé effaça les jeunes filles au bout de la passerelle. Sous le regard de certaines femmes, elles inspirent l'envie de vaincre, d'autres donnent le sentiment désagréable de vieillir. Desmond ramassa le Panama tombé plus loin, repoussa en soupirant une mèche de cheveux qui lui tombait sur l'œil et rentra à l'hôtel.
En sortant de la salle de bain, il jeta un regard à l'iPhone posé sur le chevet. L'appareil marquait de son silence une absence, un impénétrable doute. La peau de son cou se froissa sous le col de chemise tandis qu'il s'habillait. Il alluma la télévision et fit ses bagages. Parmi les reportages enchaînés à la va-vite, un sujet du journal attira son attention. L'extradition pour la France d'un journaliste présenté comme un miraculé. Un type dont il n'avait vu qu'une photo sur un avis de disparition, mais qu'il détestait déjà. Cet homme aurait passé presque 2 ans avec un serial killer, prenant note de chacun de ses crimes. Plan serré sur Pierre Lombard, à l'aéroport de Roissy, la foule le submergeant comme une marée de boue, presque à genoux, serrant Gaston dans ses bras. Le visage du père montrait cette expression de joie et d'infinie détresse de l'otage libéré. Ce gars-là avait du boulot. Tout était à reconstruire avec son fils. Desmond s'assit sur le lit, attendri par la frimousse de Gaston. Le garçon avait le même âge que lui le jour où quelqu'un avait décidé de décimer sa famille. Il était heureux que le fils de Lola connaisse un tout autre destin. Le sien lui avait radicalement coupé toute velléité de paternité. Son iPhone vibra soudain sur la table de nuit, mais Desmond ne quittait plus l'écran des yeux. Lola venait d'apparaître, cachant aux caméras ses joues striées de larmes. Lola, qui jamais ne pleurait. Il empoigna la télécommande, plongea la chambre dans le silence. Pas un murmure, seulement le craquement du parquet sous la moquette dans le couloir. Quelque chose mordait l'instant, s'imposait avec une autorité furieuse. L'idée qu'un autre revenait prendre sa place. L'idée qu'il ne puisse jamais revoir Lola. Desmond empoigna son sac de voyage et quitta la chambre. En refermant la porte, il entendit comme une plainte à peine plus discernable que les pleurs étouffés d'un enfant. Mais ce n'était qu'un courant d'air sifflant au-dessus de sa tête. Le Boeing 737, dans lequel Desmond embarqua sans délai, dardait ses moteurs sous les projecteurs, pressé d'en découdre avec le ciel. Épuisé par sa nuit blanche, il s'assoupit et du vol ne garda aucun souvenir, sinon celui de cette petite fille, assise à l'extrémité de la rangée de sièges voisines, qui serrait contre elle une poupée à l'effigie d'un cow-boy, dont elle actionnait avec un sourire de défi la ficelle incrustée dans le dos. « Quelqu'un a empoisonné le coin d'eau !» Ses sandales rouges battaient le vide, ramenaient le parfum de Cassie, petite sœur, dont la peau mielleuse sentait l'amande et la cerise. À défaut de monter dans un avion, Cassie avait fait un dernier voyage à bord d'une magnifique ambulance. Alors qu'il s'assoupissait enfin, entendant sa voisine pester, Desmond se dit que toutes les petites filles criaient de la même façon, de ce son pointu comme un diamant, un cri dont jamais il ne serait amnistié. Les partitions que vous avez entendues étaient signées Anthony Zimmer. C'est un extrait du film Anthony Zimmer. Sinon, c'est James Newton Howard qui compose les musiques des films de Monsieur Night Shyamalan en général. Et vous avez entendu des extraits de The Nightcrawler et aussi Thomas Newman que j'écoute souvent. Voilà, je voulais les citer. Merci. Merci beaucoup Sophie Loubière pour cette lecture très agréable, atmosphérique et une salle bien plus calme qu'avec les histoires des messieurs Longhi et Basson. Donc c'était bien moins humoristique. Vous m'avez dit, lorsqu'on s'est parlé auparavant, que vous n'êtes pas amateur de scènes cruelles dans vos romans noirs. Mais vous avez une certaine technique
d'y rentrer quand même une atmosphère. Comment décrivez-vous cette atmosphère? Je crois qu'elle est très cinématographique. Je suis une grande lectrice aussi, une grande cinéphile. Et depuis l'enfance, j'ai intégré énormément de références, qu'elles soient artistiques, puisque mes parents m'ont emmenée très tôt dans des musées, où je voyais des tableaux d'art contemporain comme des tableaux classiques. Très tôt, j'ai pu toucher des œuvres, j'ai pu fabriquer des choses. Très tôt, j'ai composé et fait de la musique, du piano. J'ai moi-même fait de la danse, du théâtre. Donc, je vous l'ai dit, le cinéma, tout ça, et les livres, énormément de livres. Je suis très stendhalienne, on va dire. Très influencée aussi par des femmes comme la comtesse de Ségur, qui, je pense, est une des plus grandes. Une femme qui est digne d'une très grande cruauté et d'une grande perversité. C'est peut-être elle, ma maîtresse, finalement, ma grande maîtresse, celle qui m'a poussée sur ces voies irraisonnées et non raisonnables, que sont celles du polar. Mais j'ai plein de références. Dachiel Hammett, évidemment, c'est mon papa en littérature policière. Et des gens plus contemporains comme Thomas H. Cook. Mais je crois qu'on est en effet de tout ça, de tout ce que de ma propre expérience, des propres drames de ma vie, de ma famille et de ma sensibilité, tout simplement à la vie, aux choses. Il y a une partie d'autobiographie dans ces romans, puisque vous avez fait ce voyage le long de la route 66 avec votre famille. Est-ce que vous avez recueilli aussi sur ce tracé l'atmosphère, comme par exemple la musique, les sons que vous avez entendus, l'atmosphère? Je pense qu'il y avait des endroits même où vous n'avez pas voulu vous arrêter parce que c'était tellement angoissant. Oui, en fait, le seul endroit où on n'a pas voulu s'arrêter, c'était un endroit vachement sympa, où je rêve de retourner parce que c'est là que je situe toute la fin du livre. Donc je ne peux pas vous en parler parce que sinon je vais vous gâcher tout le plaisir. Mais ça se trouve en plein désert, et c'est un endroit, ça fait très très peur quand on y va, parce que pendant une heure, on va rouler sur une route totalement désertique, et on va croiser personne, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et c'est là qu'on se dit, pourvu que je ne crève pas un pneu, parce que sinon, je ne sais pas du tout comment je vais m'en sortir. Et c'est vrai, ça m'a vraiment inspiré le décor de la fin du roman. Mais sur la route, on n'a pas eu de problème. Hein. Après, j'ai imaginé le pire. Voilà. L'idée, c'est d'imaginer le pire. Quoi. Donc, vous feriez toujours encore un voyage à la route 66? On rêve tous d'y retourner. Parce que quand on est parti, j'étais accompagnée de mon mari et de mes enfants. Ce n'était pas le but au départ. Je devais juste faire un voyage avec mon mari. Et on n'a trouvé personne pour garder les enfants. Alors, ils sont venus. Et Gabriel, mon fils, avait à peine 4 ans à l'époque. Et à chaque étape de la route, il réclamait une partie de sa panoplie de cow-boy. Donc on a commencé par les bottes, le chapeau, le pistolet, l'étoile. Et à la fin, on est arrivé à Las Vegas. Et il se promenait dans les rues déguisé en cow-boy. Okay. Et c'était charmant. Et ils ont tous très envie d'y retourner. Ouais, tous les quatre ont envie d'y retourner. Très bien. Merci beaucoup pour maintenant. On va en reparler. Merci. Après. Il y aura comme prochaine lecture celle d'Arnaud Strobel, donc de son roman, une première partie aussi d'une trilogie autour du commissaire Max Bischoff.